Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser des puces. Donc en fait, j'ai regardé sur YouTube et j'ai remarqué que il y avait pas de tuto. Enfin, quelques tutos avec des lavements, mais pas des tutos tout simples avec des cannes. Donc en fait, ça peut paraître bête, mais c'est super joli et pour des petites filles, par exemple, c'est très chouette. Et donc, je vais vous présenter le résultat que ça donne. Donc là, c'est sur mon présentoir. Donc, c'est un présentoir qui tient debout. Et vous pouvez voir que j'en ai tout ou plein. Mais que je ne peux... là, ça a cassé. J'avais fait avec un truc qui n'allait pas, donc là, elles sont pas bien. Mais sinon, voilà. Donc... je n'ai pas les oreilles versées, donc personnellement je ne les porte pas, mais quand je fais des brocantes, en général ça part très bien, parce que les petites filles elles adorent ça. Et par exemple, je sais que quand j'avais des boucles d'oreilles pendantes, maman n'était pas très d'accord parce qu'elle disait « Oh, tu es encore trop petite pour ça », et du coup elle prenait plusieurs paires de puces. Et donc je vais vous présenter ce tutoriel. Donc et voyez mon présentoir tient tout seul. Alors, on va tout de suite passer à la liste du matériel. Et donc, alors, vous allez prendre tout simplement votre canne. Et il va falloir prendre votre lame à canne. Vous pouvez prendre une autre lame, mais ça sera beaucoup plus dur pour couper. Et alors en fait, il faut faire un diamètre, il faut qu'il y ait, que la tranche ne soit pas trop épaisse. C'est pour ça que si vous avez déjà des tranches prédécoupées, c'est plus simple, mais ni trop fine. Et donc en fait, il faut couper bien à la verticale, pas sur le côté. Et vous voyez, là, c'est pas bon parce qu'en fait, vous pouvez voir que la tranche est un peu fissurée. Et là, ici, elle est beaucoup trop fine par rapport à là. Donc je ne les jette pas, je les garde pour une autre utilité. Et vous pouvez recommencer comme ça. Alors maintenant, vous allez prendre vos puces et mettre un tout petit peu de cette colle UHU. Et on va venir coller, mettre cette puce sur le plateau. Et donc je viens faire pareil avec l'autre. Et dès que ça sera sec, vous pourrez mettre le petit capuchon ou le mettre sur votre présentoir. Et moi, il faut que j'attende un peu parce que sinon ça va être, ça va se casser, ça va partir sur le côté parce que ce n'est pas encore collé. Mais en tout cas, je trouve vraiment cela très beau. Voilà, et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire quelle vidéo vous plairait. Et si vous voulez par exemple comment faire les présentoirs à puce ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc...